Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Grounded. Donc on va... Je pense qu'on va combattre des fourmis dans cet épisode. Et potentiellement des araignées, je suis pas encore sûr. Mais en tout cas, on va essayer de changer. Alors, je me rappelle que à l'origine, quand j'avais découvert le jeu, ce que j'essayais de faire, en fait, c'est à chaque fois de faire un set d'équipements. Enfin, de faire tout le temps les sets d'équipements qu'on a. Et du coup, je crois que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Je voudrais bien... Alors, lourde charge, je crois que... C'est bête qu'ils nous le disent pas directement. Lourde charge, je crois que ça, c'est pour transporter plus d'objets, genre des branches et tout ça. Le plastron du anglant, donc ça, c'est l'agro, pour prendre l'agro plus facilement, c'est pas vraiment intéressant. Je veux bien, à la limite, faire l'équipement de l'asticot. Ça peut être pas mal, il nous faut de la chair de charançon. Ouais, on peut peut-être aller récupérer des asticots. Et après, il faut qu'on change d'arme. Il faut qu'on ait une meilleure arme aussi. Ça, il faut qu'on le répare. Je sais comment on le répare déjà? Ah oui, c'est juste comme ça. Ok, ça marche. Ça, c'est facile. Il nous faut plus d'asticots, du coup. Attendez. Je prends ça, j'en ai besoin. Désolé. Je sais, c'est chiant, mais j'en ai besoin. Comme ça. Ça, c'est embêtant pour faire ce genre de choses. Ça, je sais pas ce que c'est. Une glande remplie d'acide apparemment infinie. Les attaques combinées la font éclater. Ah. Carapace robuste. C'est quoi ces trucs-là? Ah, mais ça, c'est des... Je crois que c'est nouveau. C'est des accessoires, je crois. Ah, faut qu'on teste. Donc, ouais, celui-là. Parce qu'en fait, ça pourrit au bout d'un moment. Donc, du coup, c'est un peu relou à fabriquer. Donc, très bien. Et après, il nous faut bah, encore des asticots. Ouais, encore de l'asticot. Ouais, il nous faut surtout de l'asticot. Alors, c'est quoi ça? Non, mais je peux pas faire. Ouais, il me faut de l'asticot. Je. Menace majeure, défense de tir allié en hausse. Incroyablement solide qui augmente vos capacités défensives. Je crois que ça, c'est du. De l'accessoire, je pense. Alors les accessoires c'était des choses à trouver, je suis quasiment certain qu'on pouvait pas les cra en crafter. Ah les pastilles elles sont là. J'avais oublié les pastilles. Alors normalement on peut ouvrir. Voilà, très bien. Et il nous faut des niveaux 2. Ok, c'est niveau 2. Très bien. Donc les asticots, c'est près de l'arbre, hein, c'est là-bas. Donc ouais, notre but, ça va être de nous faire un équipement asticot, je pense, parce que ça augmentera l'attaque du coup, apparemment. Donc je crois que ça sera vraiment bien, c'est par là. Vraiment bien pour nous. J'ai pas d'eau, évidemment, j'ai pas d'eau. Ouais, j'ai pas d'eau. J'en trouve pas. Et après, qu'est-ce que je voudrais faire? Après, ouais, on va peut-être se balader un peu plus loin, récupérer des épines, des trucs comme ça. Oh la vache! Ouais. Oh mon dieu, ok, c'est bon. Nickel. Honnêtement, je sais pas si on peut la tuer. Ah, je pense qu'elle va faire super mal si elle nous touche. Franchement, je pense qu'elle va faire méga mal. Nickel. Et nickel. Allez, c'est parti. Asticot. Très bien. Il était où l'autre? Il est là. Très bien. On va prendre de la nourriture aussi. Alors des pierres, on en a plein. On a besoin de ça aussi. Nickel. Très bien. On va prendre de la sève. La sève, c'est toujours très utile de toute façon. On entend une coccinelle qui se balade. Alors, il me faut un peu plus d'asticots.
Je sais que ma première base, elle était à un endroit qui était un peu plat, mais il y avait de la boue en fait, enfin de l'eau un peu au centre. Et au final, il y avait des asticots partout, et j'avais fait ma base ici, et enfin à l'endroit où je vous dis, hein. Et du coup, c'était quand même un peu catastrophique, où il y avait plein d'asticots qui se baladaient partout, c'était un peu relou. Ok, très bien. Je voudrais bien trouver plus d'asticots. Qu'on ait un bon équipement, puis après on va combattre quoi. En face, il y en a. Qu'on ait une meilleure armure, surtout, et après une meilleure arme. Comme j'ai dit, je voudrais bien tester les armes à deux mains, surtout, parce qu'elles ont été améliorées. Là. À la limite, faudrait faire aussi un bouclier charançon. Voir un peu notre inventaire. Ouais, ça va, c'est pas mal. Nickel. Alors. Eh ouais, c'est moi qui prends. Si on veut faire un bouclier charançon, il faut de la chair. Je crois bien. Ok, là-bas, elle est pas belle. Très bien. Il n'y a plus trop de... Non, pas vraiment beaucoup d'asticots là. Enfin, on en avait récupéré quelques-uns de toute façon. C'est pour ça. Ok. Bon, je crois qu'on va rentrer. Il y a un truc en haut. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Sans que je me fasse couper en quatre. Comment on passe? Sans que je me fasse défoncer par tout ce qui bouge. Hop là. Oh, c'est quoi ça? Bannière de bulle. Maintenir pour hisser le drapeau. Ah, c'est nouveau ça. C'était pas comme ça avant. Il fallait mettre des repères. Ça, je m'en rappelle. Ouais, ça c'est bien ça. Parce qu'en fait, je suis sûr que c'était... On va virer ça. Ok, très bien, toile. Je crois que c'était genre ici, il fallait mettre des repères, il fallait du coup récupérer des objets pour pour aller le crafter. Il faudrait que j'ai des... Merde, comment ça s'appelle? Des choses pour planer en fait. Parce que c'est vrai que j'en ai pas. Et du coup, ça m'aiderait beaucoup. Bon, on va tout prendre. Très bien. Don't even need to boil it. Ben voilà, ça se passe bien. Tranquille. Je pense qu'on a suffisamment d'asticots de toute façon. Hey, Fid. Très bien. Poste de recherche. Il est où ton poste de recherche? Ah! Oh putain, on est. Ok, on est derrière. J'ai trop tourné en fait. Bon, bah c'est bien. Bon, par contre, je suis derrière les araignées. Là, il y a les araignées en fait. Ok. Alors. Ouais, on les entend faire bouger des choses. Alors, on va analyser ça. J'espère qu'elles vont pas me repérer. Ballon de basket, ça c'est nouveau. Jeune araignée empaillée. Corde en soie. J'avais dit qu'il y en avait.
Bouclier charançon. Oh putain, elle revient. Ouais. Aïe, aïe, lâche-moi. Bordel. Ah, c'est bien. Ah, ouais. Fais chier. Faut aller récupérer notre sac. Oh, merde. Récupère notre sac. Bon, c'est pas très... C'est pas... Ça va. Par contre, notre... Ouais, notre équipement, il a pris cher. J'aurais dû essayer de sortir en fait au lieu d'essayer de combattre. Ça, on fait vraiment pas assez mal. C'est pas grave, honnêtement, c'est pas très grave. Comme j'ai dit, on perd juste un peu de la durabilité sur l'équipement. Bon, c'est un peu relou, mais c'est de l'équipement de très bas, donc c'est pas grave. Après, on a fait plein de recherches, c'est cool. On va faire le tour. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle était un peu abîmée déjà, l'araignée. Donc je me demande si elle avait pas combattu quelque chose. Ouais, là, il nous faut le sac absolument. Ah, elle a craché des toiles. C'est pour ça qu'à un moment, elle est montée. Bon, go, 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 go. Go, 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 go. Oh, putain, elle est juste là. Ah, putain, saloperie. Ah, ah, ah! Loupé. Ok, cool. Faire attention à mon endurance. Ça va méga vite! C'est bon, elle m'a lâché. C'est bon, elle m'a lâché. Ah, tiens, je suis en train de me dire en fait. Un repère, au final, c'est pas si mal. Parce que du coup, je le vois sur le... Genre comme ça, là, un repère. Du coup, je peux mieux me repérer. Avec un repère, lol. Ouais, on va peut-être en remettre un. Au final, c'est pas si mal. Ok. Nickel, nickel, nickel. Alors, on va faire ça. Panier de basket, basket, ça c'est tout nouveau aussi pour moi. On a un bouclier. Il nous faut une chair de charançon. On va d'abord faire l'armure. Mais d'abord on va faire le repère avant que j'oublie. Alors, fabriquer, repère. C'est où les repères? Ça c'est empaillé, des trophées, c'est pas intéressant. Merde, tu vois, point de repère. Voilà. Normalement, je crois que je peux le voir de loin, en fait. Ouais, ouais, oui, on peut le voir. Ouais, voilà, comme ça, du coup, je sais directement où me diriger, en fait. Il nous faut de la chair de charançon pour faire le bouclier. Est-ce qu'il y en a un qui traîne? Normalement, ça, il y en a partout. Là, il y en a plus. Ah, faut aller vers les champignons à la limite. Ah. One long schnoz built for sniffing. Très bien. Venez ici. Je dois vous tuer, mais c'est pour la science. Je dois vous tuer pour la science. Le truc qu'on va faire, c'est faire cuire ça. Très bien. Ça, c'est de la corde qu'on peut faire avec la toile. Alors, on voudrait faire... Donc, nous, on a fait ça. On veut ça
Et... Ah, oh, j'en ai pas assez. Putain, mais chiant. Ah, c'est chiant. Ah, mais ça court pas les rues, les asticots, apparemment, pour moi. C'est embêtant. Alors, vous infligez plus de dégâts aux créatures en début de partie. Ça marche. Ça veut dire quoi en début de partie, en fait, au final? Très bien. On va faire notre bouclier. Chair de charançon. Ah, x4! Ah, d'accord, pardon. Je pensais qu'il en fallait qu'un seul. Aïe, très bien. On en a combien? 3. Ouais, 3. Notre inventaire est presque plein, par contre. Ah, c'est bête que j'ai pas... On n'a pas assez d'asticots. Ah, j'en entends. Il est où? Il est là. Hop. C'est parti. On se fait un bouclier. Nickel. Parfait. Donc on va le mettre. On peut l'équiper comme ça directement. Voilà. Et on peut pas faire comme à la Dark Souls, hein, genre lever le bouclier et utiliser la lance. On peut pas faire ça. Ça a été bien. Alors, on a du temps. On va... Ce qu'on va faire, c'est que on va analyser des choses. 1, 2, 3. Ok, go. Est-ce que ça a dû revenir avec le temps? Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est où pour analyser? C'est par là? Non, c'est par là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, où on fait des fourmis pour essayer de faire la grosse batte? J'avoue que ça serait bien. Merde, je me suis perdu. Non, c'est là-bas. Waouh. Ah, il y a le corbeau qui s'est mis là. Ça, c'est pas mal, parce que le corbeau, en fait, quand il vole, il fait tomber ses plumes, et ses plumes sont vachement utiles. Je crois que c'est pour faire une arbalète qui est vachement puissante. C'est peut-être pas la plus puissante, mais c'est une des dernières. Et les plumes, ça permet de faire des flèches, je crois. Épée larvaire, très bonne aussi. Masque à gaz, très utile à un certain moment du jeu. Ça... Fourmis rouges, soldats, smoothie, moucherons. On va avoir des problèmes avec les moucherons. Bouclier humain, je vais le prendre, je pense. Ou alors on prend les détecteurs de ressources. Permet de créer science brute. Ah non, c'est pas vraiment. On va prendre ça. Alors, normalement, c'est une mutation. Ouais, c'est une mutation. Ta carrière exceptionnelle te permet d'encaisser des coups sans les coups sans broncher. Santé max en plus. Nickel. Santé max en plus. Très bien. Ouais, on voit qu'on a un cran en plus maintenant sur la barre de soi. La barre de vie, pardon. Alors, il nous faudrait... Alors déjà de l'eau, comme d'hab. Ça, ça a pas changé. Je sais que j'ai une gourde, hein, mais... S'il y en a là, on en profite. Eh, merde. Ça va le corbeau?
bois. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On dort maintenant. Ça, très bien. Ah oui, je crois qu'on peut. Alors attendez, bon, on va tester. Ah mais mince, c'est pas encore assez tard. Possible de dormir avant 18h08. Ah oui, dans ce jeu, c'est pas dormir à une certaine heure en fait. Tais-toi. C'est... Si vous avez dormi par exemple, si vous êtes trop posé à minuit, à partir de minuit jusqu'à genre 10h du matin, bah du coup il va falloir attendre l'heure où vous êtes reposé en fait. Genre c'est par rapport au, à l'heure où vous vous êtes réveillé en gros, que vous allez pouvoir vous reposer. Enfin bref, je sais pas si j'ai été... Là, vous avez compris quoi. Vous avez compris vite fait. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Très bien. Maintenant j'hésite, je sais pas quoi prendre. Ça ou ça? Ouais. Hyperactivité. Pourquoi on a hyperactivité? C'est parce qu'on a pris la nourriture. Ouais, on va déposer ça. Ça marche. Ok, on va faire... On va dormir. Ah, 18h08, pas encore. On va voir si on peut pas se faire des petites mouches. Petits moucherons. Hey, hey. Très bien. Nickel. Presque. Et après on ira, je crois que c'est par là, pour aller combattre quelques... Eh merde. Fourmis. Pour qu'on récupère leurs ressources. Oh mon dieu, t'es sérieux? Voilà. Normalement ça va être cuit je crois. Si on pose les choses et qu'on dort, normalement c'est cuit après. Ça brûle pas. Enfin on va voir, je crois. Ou alors c'est peut-être brûlé, on verra. Non non c'est bon, on peut les mettre. Nickel. Parfait. Alors, toujours le problème de l'eau. Faudrait faire des récupérateurs d'eau. Nice and clean. On fera ça à un moment ou à un autre. Très bien. Je crois qu'on va y aller. Très bien. Ah oui, oui non c'est bon, oui, on a le bouclier, ça va. J'ai cru que le bouclier était pas revenu. Puis à la limite je voudrais voir pour des nouveaux asticots là pour qu'on fasse l'équipement qui nous manque, mais c'est pas grave. Il y a des choses à analyser ici, si, oui. Moucheron empaillé, c'est pas vraiment intéressant. Allez, go! Alors, je me rappelle qu'il y avait une fourmilière pas loin. Elle est grande par contre. Très grande. Ah oui, je crois qu'il y a un truc où si. Si on fait le set de fourmis, elle nous voit comme une fourmi aussi, elle nous attaque pas. Je crois. Donc ça c'est pas mal. Ah c'est là. Quoi ce bruit? Ah, voilà, là il y a les fourmis normales. Enfin ouvrières. Elle est où la fourmilière? Je suis aveugle. Ça c'est les soldats là-bas, ils sont plus gros.
Ah oui, ça, s'il y a les gros trucs là, les puces ou je sais pas quoi. Les punaises. Those soldier ants mean business. Ouais, alors fais voir. Alors, faut s'éloigner un peu du monde. Ouais, parce que l'autre, elles viennent. C'est quoi ce bruit? Eh merde. Oh mon dieu, ça fait mal. Ça fait mal. Putain, je suis nul. Ok, très bien. J'ai du mal à bien parer, hein. Je me rappelle plus trop des timings. Okay. Ça fait très très mal aussi le lancer. On va manger ça. Le lancer d'armes en général, ça fait des gros dégâts. Non, est-ce qu'on a eu. Ouais, on a eu ça. Très bien. On a pris méga cher. On a pris méga cher. J'ai. Ouais. C'était un combat à la va-vite. Hein. Mais ça va. C'est pour ça que je voudrais une arme à deux mains pour être un peu plus agressif. Ah voilà, bah, elle est là, là. La fourmilière en fait. Non, faudrait. Elle vient ici, toi. Aussi avoir un arc, des flèches et tout ça, ça nous permet de pull. Ah putain, le quatre, 3, ok. Pardon. Un truc qui est embêtant, je trouve, c'est qu'on récupère pas directement les lances si on loot les cadavres, en fait. Faut absolument... Il y a des trucs qui combattent. Faut absolument récupérer les lances en elles-mêmes. Ah, il est là, le gaz. Attends, c'est quoi, ça, là? Ouais, ça c'est du gaz, ok, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Ça c'est tout ce qui est toxique, ça on ira plus tard. Alors, par contre j'ai plus de soins. J'ai ça pour le soin. Oh merde. Ma lance! Putain. La lance, on les envoie très très haut. Excusez-moi, je prends une lance. Ouh. Merde. Ah, oh, t'es sérieux? Putain, elle est où la lotte? Elle est là. Bonjour, excusez-moi. Oh putain. Je suis nul. Je
Je suis nul le lancer de lance apparemment. Je la lance toujours trop haute en fait. Bon, ça va, elle m'a pas amené dans un guet-apens, ça va. Très bien. C'est quoi ça? Tête de fourmi rouge. Tête entière d'une fourmi rouge, elle est contre, elle est contre toute attente intacte. Pourquoi c'est bleu? Pourquoi c'est bleu? Faut qu'on fasse des régènes. J'ai pas assez de régène. Non, c'est pas ça que je vais faire. Not bad. Je me rappelle plus. Ah, peu ordinaire. D'accord, ok, ça marche. Force d'ouvrière. Nickel. Sacré coffre, coffre de rangement, sfoutis et moucheron. Je crois que ça va prendre du temps de faire tout ça. Après, on a eu une nouvelle mutation aussi. C'est quoi, attends, qui fait du bruit là? Ah, ok. Comme j'ai dit, mutation parce qu'on fait des choses. Donc, on a ton timing impeccable te donne là un avantage extrême pour la parade des attaques. Maître de parade. Je pensais qu'on avait un truc pour les fourmis, mais en fait, non. Et on peut aller jusqu'au niveau 3. Là, c'est que niveau 1. Là, c'est niveau 3. Ça fait quoi? Ça dit pas exactement ce que ça fait, en fait. C'est un peu bête. Non, je sais pas. Il faut que je boive. Don't even need to boil it. Ah, mais j'ai pas d'eau dedans. Oh, merde. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ah, niveau haut, ça va être un problème. Ah, mais c'est bon, j'ai bu, pardon. Pardon, j'ai bu, en fait, les deux doses directement. Alors, est-ce qu'on peut trouver de l'eau vite fait? Qu'on ait de l'avance. Bah mince. J'ai cru... Ah. Nickel. Et juste une deuxième, si on peut, vite fait. Merci. Voilà. Ah, maintenant, on va voir ce qu'on peut crafter. Avec les fourmis, là. Il faudrait qu'on fasse un coffre, aussi. Qu'on fasse un plus gros coffre. Qu'est-ce que je fais, moi? Ça passe pas dans pause. Alors, un plus gros coffre. Coffre de rangement. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de placer les choses ici. Ah, on peut pas. Surface en mal, ok. Bon, bah voilà, on a notre réponse. Après, on pourrait mettre les choses un peu cachées. Enfin, c'est pas grave, honnêtement. C'est pareil au même. Ah! Qu'est-ce que j'ai du mal! Faudrait que je rechange les touches, en fait. Ouais, faut vraiment que je fasse... je prenne un moment et que je change les touches pour crafter les choses. Ça me va pas du tout pour moi. Nickel. Ça me va pas du tout. Alors ça. Hop. Très bien. On va vite hein, qu'on connaît le rangement, comment ça fonctionne et tout ça. Par contre, je sais qu'on peut alors déplacer. Est-ce que ça nous montre la distance pour les coffres? Oups, pardon. Aligné sur la grille. Non. Changer d'axe. Comment ça, changer d'axe? Ah, ok. Ouais. Parce que je sais pas si celui-là, il est pas trop loin. On va le déplacer. Comment on fait? Placer. Très bien. Alors ça, on a des petites torches. Elles sont faciles à faire. On peut les faire à la main. On va pas le faire parce que ça nous intéresse pas. On a ça qui est
Pas mal, je crois que ça fait du poison. Ouais. J'aimais beaucoup tout ce qui était poison dans ce jeu-là. Très puissant. Le saignement, c'est pas mal. Alors, on peut faire un masque à gaz, on n'a pas vraiment besoin pour le moment. Il nous manque ça. Donc, il nous faudra encore 4. Ça, c'est pour les smoothies. Ça, c'est pour le soin, on va en faire 5. Je clique dessus juste pour pas qu'on ait le point d'exclamation. Très bien. J'entends. Ok. Maintenant, notre but. Donc, c'est toujours de faire des armes. Oh, yes, on peut. Yes, on a le gourdin, ça y est. Si j'avais un peu plus confiance en moi pour les lances, je lui lancerais la lance, mais. Alors, le gourdin. Charnue parfaite pour cogner tout ce qui bouge. Donc, ça va faire mal. Faut voir la différence de dégâts. Ah, ouais, non, la différence de dégâts est énorme. Après, c'est lent. Après, c'est lent. Alors, attendez. On va faire comme ça. Ça, j'en ai plus besoin. On va mettre les soins ici, l'eau. Même si l'eau, on n'en a pas vraiment besoin. À la limite, on peut mettre ici tout ce qui est genre nourriture et eau. Genre comme ça. Et là, on met que des trucs à combat en fait. Genre le soin ici, les outils en dernier. Enfin, quoi que. Désolé, je prends 2 secondes pour changer certaines choses. On va mettre comme ça. Je fais des tests en fait. Alors, par contre, si on a un bouclier, si je dis pas de bêtises, ok, on a la masse. Donc, ça c'est sans bouclier évidemment, hein, c'est à deux mains. Très bien. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui faisaient un peu de l'exploitation. Genre, ils tapaient une fois et après ils se protégeaient. Ça allait plus vite de faire ça en fait. Mais maintenant, moi je l'ai jamais vu parce que je trouvais ça très très con hein, de jouer comme ça. Donc je le faisais pas. Peu importe, hein, si vous le faites, c'est très bien. Mais maintenant, le troisième coup a un buff en théorie. On devrait taper plus vite. Et si je rechance sur la lance. Ah yes, ça me remet le bouclier. Ok, nickel. Je suis certain qu'avant ça remettait pas le bouclier. Ah, je suis quasiment certain que ça le remettait pas. Ah, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Ok, nickel, parfait. Parfait, parfait. Donc ouais, je voudrais bien. Ben on va aller chercher des asticots encore, vite fait, si on peut. On va voir. Il faudrait de l'eau. Ok, déjà ça, on va le boire. Nickel. On a plein de buffs maintenant qui s'activent. C'est vraiment cool. Honnêtement, les buffs et tout, c'était vraiment. Genre. Avec de l'équipement rare. Je vais au bon endroit, moi? Ouais. C'était honnêtement avec de l'équipement assez haut niveau. Ah, voilà, c'est là que j'avais fait ma première base, c'est ici. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile en fait. Donc c'est assez intéressant. Là. Nickel. Les outils aussi peuvent être utilisés comme armes, mais c'est pas les meilleurs du coup. Ah, je crois que ça suffit. Je vais être honnête, je pense que ça suffit. Ça va, c'est cool les améliorations qu'ils ont fait au jeu. C'est vraiment fun.
Ça vaut vraiment le coup de se relancer dedans, en fait. Nickel. Parfait. Alors, fais voir un peu. Let's go! I feel a little less squishy now. Qu'est-ce qui... Casse-toi, toi. Alors, on a les trois parties. Alors, réduit le temps nécessaire pour votre endurance... que votre endurance se régénère. Pour que votre endurance se régénère. Ok, d'accord, ça marche. Pas mal, pas mal. En théorie, on a un peu plus de dégâts en début de partie. Encore une fois, je sais pas ce que c'est la début de partie, vraiment, ce qu'ils veulent dire par là. On est en armure moyenne maintenant, donc on est un peu plus... Attitude, défense et bouclier font passer la défense avant l'attaque, ce qui renforce la capacité à bloquer les attaques, mais réduit les dégâts infligés. Ok, ça marche. Ah, c'est pour ça que j'ai... À un moment, j'ai dû faire 4 coups avec la lance pour tuer un asticot, là. D'accord. Alors. Suite. Quand est-ce qu'on pourra dormir? C'est à 18h, ça va, on a encore le temps. Alors, on peut... On peut quasiment faire l'équipement de la... De la fourmi direct. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais faire. Alors, fais voir un peu. Ça sert à quoi, ça? Ouais, ça, quand il y a des étoiles comme ça, normalement, c'est accessoire, c'est ça? Ouais, nickel. Alors, le dernier coup de votre combo à 3 coups fait plus de dégâts. Ah, dégâts finisher. Donc, du coup, ça marche pas avec les lances. Quoique, peut-être, faut que je teste. Fais voir. 1, 2, 3. Je sais pas si ça s'est déclenché ou pas. Fourmi rouge ouvrière en or, cool. Fais voir. Je sais pas, peut-être que ça marche avec les... Je suis pas sûr. Parce que là, oui, là c'est clairement... on voit le troisième coup, mais avec la lance, je suis pas certain. Faut tester. Alors, on a des... Neutres. Ouais, on a eu le en or. Honnêtement, je sais pas vraiment à quoi ça sert d'avoir les cartes en or. Je sais pas du tout à quoi ça sert, honnêtement. Non, je sais plus. Ok. Faudra encore des asticots, c'est chiant. Défense tirallier en os. Il nous faut des fibres encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour la zone, pour notre base en fait. Poste de smoothie. On peut faire un poste de smoothie, tiens. Nickel. Alors, je crois qu'ils avaient dit qu'ils en avaient rajouté des nouveaux. C'est quoi ce truc? C'est une ombre. Alors, soigne. Ça, c'est une abeille. Option de base de smoothie. Ah oui, ça, les options, je crois qu'on peut les changer. Rangement à proximité, 4 à portée, c'est très bien. Lourde charge, c'est pas vraiment intéressant. Il nous faudrait des algues. On peut en faire genre des banales. Ou pas. Ouais, bon, on n'a pas trop le choix. Ouais, on n'a pas trop de choix, honnêtement, pour les smoothies pour le moment. Pas vraiment intéressant pour nous. Alors. Ça, c'est pour faire des toiles. Panier, coffre. On peut refaire un coffre, au cas où. On va commencer à manquer de rangement bientôt. Très bien. Nickel. On
On a le broyeur. Ah oui, on a le récolteur d'eau à faire. Ça serait bien, honnêtement, le récolteur d'eau. Comme ça, ça m'évite de tourner à droite, à gauche. Mais je sais plus comment on fait. Réservoir d'eau. Collecteur de sève. Le réservoir d'eau, c'est bien à mettre. Ah oui, il y a un truc de confort maintenant aussi. Plus votre base est grande et plus elle a des choses de confort, et je crois plus elle vous donne des bonus. Ça aussi, ça y était pas quand j'y jouais. Ça, c'est bien sous les réserves de soda ou de trucs comme ça, là. Comme ça tombe directement dedans. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. J'ai de l'eau quelque part là-bas. Mais c'est pas des récolteurs d'eau ça encore, c'est pas ça. Ouais, merde. Ah non, elle est là. Putain, chaque fois je fais. Chaque fois je la balance cette lance. Très bien. Pour faire de la corne. Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre des récolteurs d'eau? Genre là, en dessous de ça, peut-être? Techniquement, on peut. Ce serait sous ça, en fait. Non, attends. Ah, mais c'est bon, il y a déjà deux. Mais ça serait sous ça. Alors, placer. Putain, par contre, c'est chiant à placer ces trucs. Genre là. Après, ça, je vais être honnête, ça a une zone. Hein. Déplacer. Non, mais c'est bien comme ça. Ça a une zone d'effet, hein, c'est pas besoin d'être au millimètre près, hein, il n'y a pas de problème. On va récupérer les objets qu'il nous faut. Alors, ce qu'il nous faut, c'est coquille de gland 3, un trèfle. Coquille de gland 3 et un trèfle. Et après, de la corde. De la corde. 1, 2, ok, c'est bon, nickel. Parce que si on peut mettre ça dans la gourde, vu que ça met des buffs, c'est pas si mal de récupérer ça. Puis en plus, c'est pas loin de notre petit camp là. J'ai pas cette corde. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais. On va juste le tourner. Voilà, comme ça, quand on arrive de là, on voit si c'est plein ou pas. Je crois que c'est plus là-bas. Mais... Ah, qu'est-ce que c'est relou. Je pense que c'est bon. On va pas se prendre la tête pour ça, c'est pas grave. Alors, maintenant, faut découvrir plus de choses. Faut attaquer plus de créatures, en fait. Faut qu'on fasse plus de recherches. Est-ce que j'ai recherché tout ce que j'avais? Ça, non. Ça, oui. Ça, c'est bon. Ok, on va aller rechercher ce qu'on a dans l'inventaire, là. Ouais, on a que ça, de toute façon. Comme j'ai dit, on va peut-être taper encore quelques fourmis en plus. Peut-être. Je veux bien voir la différence sur une fourmi en fait. Ah, très bien. Ça, c'est très bon pour faire des appâts, ça, si je me rappelle bien. Nickel. Hisser la bannière de Bulk dans le ravin de la truelle.
Des étages, on s'en fout un peu. Aussi, les fortifications. Non, les fondations. Genre, le mieux, c'est de faire des bases sur des fondations. Pas directement au sol. Ça, c'est vraiment bien. Évidemment, enfin, comme... comme en vrai, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est pour ça que je veux pas créer de grosses bases pour le moment. Je prendrai mon temps, je trouverai un bon endroit. Y'a quoi là-dedans? Non, c'est juste un... Ouais, je veux juste voir un peu comment je me débrouille avec une... Vas-y, ramène-toi. Ouh, le troisième coup, il fait mal. Oh putain, j'ai plus d'endurance. Oh la vache. Ah ouais, non mais c'est plus la même là. Ah ouais, ça fait méga mal. Et honnêtement, c'est rapide. Honnêtement, c'est vraiment puissant. Puis avec l'accessoire là, c'est vraiment cool. Ah ouais, nickel, nickel, nickel. Je suis content. Là, faut faire attention parce qu'il y a des araignées. Enfin, je serais pas contre pour essayer de m'en faire une. Je vais être honnête. J'ai pas de nourriture sur moi. Je serais pas contre pour tester. On devrait pouvoir y arriver. Faudrait que je lui balance la lance. Je veux pas tomber à court de boissons et tout ça en fait. Je voudrais faire maintenant. Non putain, le troisième coup. Bien. Ça m'a pris tellement de temps à combattre les araignées dans le jeu. Très bien. Ouais, mon endurance est assez chaud. Hein. Parfait, nickel. Vache. Ok, très bien. Merde, il y en a d'autres. Ok, très très joli combat, hein. Très très bien. Allez, cassos. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Ça nous permet de récupérer de la toile, normalement. Ah, je crois que ça... ça, c'est de la toile qu'elle a crachée, donc du coup, non. Du coup, non. C'est quoi, ça? J'ai encore de la nourriture sur moi? Ouais. Est-ce qu'on peut dormir direct ou pas? 18h30. Ouais, on va le faire. Ouais. Bah voilà, on va s'arrêter là. On a fait une araignée et tout, ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe bien. Qu'est-ce que je voudrais faire maintenant? Qu'est-ce que je voudrais faire? On va manger ça. On a encore du soin. On a ça, on est les parties d'araignée. Bouille de viande pourrie, très bien. De l'eau.
Don't even need to boil it. Très bien. Ça aussi, d'avoir plusieurs... comment ça s'appelle, set, là, d'avoir trois... trois alignements de poche, là, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment cool. Ça a été super amélioré, je sais. Ah, voilà, ça, c'est bien. Ok, très bien. Nickel. Je crois qu'il faudrait tisser des toiles. Enfin, de la toile pour en faire du fil. Je crois que c'est peut-être comme ça qu'on fait des récupérateurs d'eau, si je me rappelle bien. Alors, quand on se lève, il y a souvent de l'eau, parce qu'il y a la rosée du matin, en fait, en gros. On va essayer d'en récupérer. Ou alors on se quitte maintenant, parce que j'en vois pas, là. Voilà. Alors, fais voir un peu. Mais ouais, super content de la... De la puissance des armes à deux mains maintenant, genre l'amélioration des armes à deux mains. Vraiment, vraiment cool. Il y avait plein d'armes à deux mains qui étaient vraiment quasiment inutiles. Enfin, pas inutilisables, mais qui étaient vraiment bof à côté de tout le reste. Alors, ça c'est régénération rapide. Donc ça, je crois que c'est l'endurance, c'est régénération de l'endurance. Armure moyenne. Les célicères, je sais plus comment on les a. Je crois que c'est les wolves, les grosses araignées, je crois. Ouais, il nous faut de la soie, en fait, des cordes de soie. Donc, du coup, pour faire des cordes de soie, faut qu'on récupère plein de toiles et faut qu'on fasse un rouet. Donc, il nous faut de l'argile. Alors, l'argile, je sais... J'en ai vu tout à l'heure, mais je sais pas si je peux en prendre, en fait. Est-ce qu'il faut pas le marteau niveau 2, par exemple? Ah, c'est tombé dans le... On a vu. Bah, c'est pas tombé dedans. Boire. Si, 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 il y en a dedans. Je sais plus où il y en a. Il y en a de l'argile, on l'a vu tout à l'heure, je suis passé devant. Dans une petite mare, là, qui traîne. Bon, c'est pas très grave, hein, mais... Essayez juste voir si on peut en récupérer maintenant, de l'argile. Je crois que c'est pas loin. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Alors, fais voir un peu. Outil de creusage. Ah, c'est... Ok. Ouais, c'est bon. Ah, c'est un peu long, hein. Au début, hein. Si je dis pas de bêtises... On va analyser ça. Si je dis pas de bêtises, le fait de creuser, c'est lié à la force. Donc, techniquement, plus vous avez de force, et plus vous... Enfin, creuser, abattre des arbres et tout ça, c'est lié à la force. Plus vous avez de force, plus ça va vite, du coup. Et bien sûr, la qualité des outils, hein, évidemment. Et les dégâts de l'outil en lui-même. Voilà. Donc, c'est intéressant d'augmenter la force pour ça. Alors, ça c'est bon, ça, les fondations. Ah, vase, ça c'est tout nouveau pour moi. Outil de réparation, nickel. Ah, outil de réparation, c'est pour réparer les... Toutes les clôtures, des trucs comme ça. Dague de gravillon, tuba branchi, ça marche. Cool, 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 cool. Bah du coup, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. On va essayer de récupérer un peu plus de choses par rapport aux araignées. Genre les toiles et tout ça. Et on se débrouille. Je pense qu'avec notre masse, ça va bien. Honnêtement, ça va bien se passer. Et peut-être qu'on continuera un peu l'histoire, on verra. Mais on va faire de l'exploration, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.